c'est Shanna, donc cette fois-ci on se retrouve sur Temtem et après une bonne petite séance de méditation, après les crises de nerfs que m'a fait passer ce dojo, je suis devant la championne enfin. Maintenant, il faut pas se louper parce que sinon je vais devoir tout recommencer, tout refaire le chemin et ça va pas être drôle. Mais pas du tout. Allez, on y va. Allez. Et en fait, au niveau combat, bien sûr, j'ai fait des allers-retours, j'ai soigné mes Temtem, quoi, mais... Je veux dire, la difficulté, c'est d'arriver jusqu'à elle. Allez. Alors, tout est de type électrique. Allez, on va se booster. Faut pas se louper. Voilà, si je résiste, c'est bien. Allez. On y va doucement, mais sûrement. Ah, j'aurais peut-être dû faire celui-là. J'aurais dû attaquer Nesla direct. Oh, ça résiste bien quand même. Ouh, non, en fait, c'est pas un mauvais choix. Faut pas que je le perde. Je vais juste vérifier une chose. Revigorant, c'est bon. Là, je peux rien faire à part attendre. Malheureusement, je vais peut-être me soigner un petit peu. Le buff. Un orage. Aïe. Heureusement, c'est que électrique. Je résiste bien. Ça déclenche mon soin. Oui, voilà. Bien. Un en moins. Plus que 5. Faut pas que je me rate. Mimite. Ah. Je sais pas lequel il va prendre la copie. Donc ce qui veut dire qu'il est insensible au cristal. Par contre, Akranox à côté, nickel. Non, c'était pas prévu ça. Alors, nous avons un double switch, du coup. Un de mon côté et un en face. Je prends mon Platymousse. Et nous avons, l'humain, hein, tranquille. Ça dégoûte. On va se débarrasser quand même du Mimite. Voilà. En tout cas, il est très beau en noir comme ça. Un Temtem électrique. Eh ben, on va faire quoi? Une double AOE. One shot. Ah, ça fait du bien. Ça moins. Allez. C'est ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est ce que j'aime voir. Et là, franchement, je peux switcher mes sereines. Honnêtement, la championne à côté de son dojo, c'est de la gnognotte.
J'ai plus galéré avec le précédent dojo, au niveau champion, au niveau équipe. La difficulté, c'est en fait d'arriver à jusqu'à elle. C'est vraiment, c'est ça. Après, je me suis préparée, c'est sûr. Mais la difficulté, vraiment, c'était pas... C'est pas elle en elle-même. Non, tant pis si ça... Ah, je suis fatiguée. Ah, mince. Allez, qu'est-ce que j'ai sous la main? Allez, on va mettre un petit tonique. Manière de résister à une attaque. Voilà. Voilà, ça fait du bien. Ah, ça se repose aussi, nickel. Mudrid va finir le travail. Et c'est la victoire! Ouh! La difficulté, vraiment, c'est d'aller jusqu'à elle. Ouais, Musa, ça a été une plaie comparée à Sasaya. Franchement. J'ai plus crisé dans les couloirs de son dojo, à son système d'alarme, vraiment. Je me suis mis la pression pour dire, faut pas que je me loupe, faut que je fasse une bonne entrée. Ça. Allez. Alors, en arrivant, j'espère pouvoir retrouver le tel. Okay. Ah oui! Invitation d'aller ben, ouais. Ça, on va tout débloquer. Pas besoin de téléporteur. Là, c'est bien, hein. Ça m'aura fait galérer, péter des plombs. Je jure. Alors, j'avais fait une très grande pause. J'ai pas retouché le jeu. Je l'ai pris zen. Il n'y avait pas d'autre moyen, quoi. Sinon... Surtout que j'étais pas. Pour le chemin et tout ça, c'était le bon chemin, j'étais vraiment pas loin, mais c'est. Le timing dégueulasse quoi. Allez. Alors du coup, le onsen. Le onsen il est à gauche. C'est là où on avait débuté plus ou moins la quête avec. Où est Max? Je crois que c'est avec. Où en dessous? J'ai un doute sur... Non, c'est en dessous. Voilà, ce genre de téléporteur, moi, j'aime bien, là. Il y a du bon côté, mais il y a aussi des phases de pétage de plomb. Yes, de la détente qui n'en sera pas. Par contre, je garde mes thèmes cartes, hein. Je vais me mettre en maillot, mais... Juste la serviette, c'est nickel. Impeccable. Le prochain scénario, on m'a piqué mes fringues. Là, il est récupéré. Ah, ce serait tellement... Ça me ferait marrer, en vrai. Après le voleur de Temtem numérique, le voleur de fringues. Mine de rien, mais c'est grand. Blablabla. Bla,
voir s'il n'y avait pas de stickers. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir se balader. Est-ce qu'il va y avoir des temtem? Il y a des herbes, en fait, pour avoir des temtem. Non, oh, mais c'est... Ouais, voilà. Ah, mais c'est bizarre, t'as qu'elle a plus ses lunettes, qu'elle a plus... ça. Elle a fait comme si elle a des lunettes alors qu'elle les a pas, c'est génial. Alors... Ah bah, j'ai fait ton boulot, c'est bon. Ah bah, ça c'est le Japon très fermé d'inspiration. Bon. Par contre, j'aimerais bien des patins. J'aime bien faire la niche. Est-ce qu'il y a un stickers? Non, mais en attendant, il y a des choses intéressantes. Je les loot. Dis-moi les loot. Yes, bien. Je ramasse tout ce que je peux. Allez, c'est une zone qui est assez safe. Une pièce porte-bonheur, ok. Un stickers, yes. Et la moneta, s'il vous plaît. Non. Ah, il faut que je finisse cette quête aussi, j'ai pas trop. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des... du loot et... un stickers, ouais. On soigne tout, c'est bien. Ah, c'est agréable après avoir pété des plombs. Le moment détente. On reprend le train-train FedEx. Le truc, ouais, bon. Je sais pas où je vais. Ah si, oui, c'est bon. Donc on va aller chercher les rafraîchissements. Il y a plein de quêtes secondaires.
Alors, ici. Ah, d'accord, c'est le Temtem. Alors, j'ai du Temochi. Oui. Je veux mes potes, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, ça se voit qu'on est épiés. Après, on me dit que je suis parano. Allez. Ben somme, sérieux. Alors, on se rhabille. Ok. Est-ce qu'on pourra y revenir comme ça? Bah oui, je pense quand même. Allô, le jeu? On demande une réaction. Ah, oh, tu meurs pas au bout de quoi? Même pas 20 minutes de jeu, s'il te plaît! Le jeu, s'il te plaît, reviens! MTM est indisponible pour le moment. Veuillez réitérer votre appel. J'ai l'impression que c'est ça. Allez, j'ai cassé le jeu. L'arène était trop. Le donjon était trop sain. On va même attendre une réponse du jeu. Est-ce qu'il va répondre? Est-ce qu'il va me dire erreur? J'attends juste un petit peu avant de relancer au cas où. Non, je crois que c'est cassé. Hein. C'est pas que la musique est pas agréable, mais... Hein, on est là pour avancer. Il y a encore un temps de charge. Oh. On va faire 5 minutes d'écran noir quand même. Un peu plus coloré, c'est mieux. Non, voilà. On a été là. Les quêtes secondaires, franchement, là, j'ai pas très envie de les prendre. Faut gérer ça peut-être à tête reposée une fois. Ou après avoir fini l'histoire.
C'est bon, le jeu, tu vas pas me refaire le coup de la panne, quoi. Non, c'est pas par là. Le vestiaire, il est de l'autre côté. Ça y est, une interruption et je suis perdu. Enfin! Oh, ça fait plaisir, mes patins. Mais du coup, je suis hop! Est-ce que, du coup, on se change automatiquement ou. On reste comme ça? Wesh. C'est quoi? Personnalisé. Ouais, c'est vraiment la tenue. Oh, rendez-moi mon haut. Voilà. Je vais pas me balader en serviette pour tout l'épisode. Je sais bien que c'est la détente après l'épisode stressant et horriblement salé. Et là, j'ai besoin de... Je préfère revenir à du FedEx, là. Alors, ah... Je suis en train de voir qu'il y avait des points des points d'interrogation, j'aurais pu finir des quêtes. Du coup, il me faut pas parler à un pécor Ok. On y va. Alors, les rizières. Alors, pas grand. J'ai pas envie de perdre trop de temps non plus. On les a déjà traversés. Alors, je regarde juste où je suis. Et quand même, au passage. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai cru bien faire. Pas grave, hein, entre nous. Ça va vite aller aussi. Je crois qu'il est type nature, c'est la plante. Pourquoi je vais pas attaquer avec du poison, sérieux? Ah, parce que je voulais taper sur le type électrique. 71 quand même. Ah, une petite piqûre et une morsure. Ah, tous ces spores. Alors, une formalité, ça. Ça fait de l'XP sur la route, c'est pas... Là, pour l'instant, c'est pas gênant. Sachant qu'il va y avoir le village, l'espèce d'auberge, pour pouvoir soigner mes temtem. Voilà, c'est le colis, voilà. Ah bah génial! C'est là où on va! Quelle bonne coïncidence finalement! Alors ensuite... ouais... En bas... Oh, voilà, tout à fait là... C'est là où on avait combattu la personne...
On a vu en kimono. On savait pas du tout qui c'était, mais que c'était téléphoné. Ah, j'ai pas vu le stickers là. Même si c'est endommagé, c'est un stickers. Ouhou. Allez, soigner, un petit coup de soin. D'accord, il y a qu'un Tentem qui a pris. Faut être en forme, toujours au top. Voilà. Alors, les patins. Oh, quel bonheur. Ça fait longtemps. J'ai envie de savoir parce qu'il y a quoi de l'autre côté. C'est du loot, y a pas du loot. Ouais, y a du loot. Et une mystérieuse personne. Mystérieux. Ah, c'est mignon le Scarwatt là. Ah, c'est cool. Oui, je remarque ce petit gros détail. Mais je trouve ça sympathique. Et juste en dessous. Ah, et des nouvelles herbes, mais bon, ça c'est. Ça fait un peu plus sauvage. Il n'y a pas de. Bah, chacun son truc. Si tu préfères avoir de la montagne. Oh, t'as. Qui est-on pour juger? Alors... ça... Non, une piqûre... Débarrasser de ça... Essayez de se débarrasser! Ah ouais, non mais ça, la voix de la montagne, elle est tellement puissante que ça me fait bugger le jeu. Il est fort. Sérieux, une petite musique d'ascenseur là, ça manque hein. Et ça charge encore. Oh, c'est bon, on peut reprendre. Non? Pas tout à fait. On a un peu de musique.
franchement, en musique de chargement, elle est dynamique, elle passerait bien, celle-là. Sérieux, faites qu'on puisse en avoir une. Non, bah ils veulent pas. Bon, alors, on a été où? Oui. Ah, la correction. Allez, Cernef. Il a brûlé. Ça, ça fait mal. Ok, ça fait pas si mal que ça. Non, mais c'est bon, là. Et bim. Et non, même. Alors, du coup... Hop, je vais régler son compte un peu plus facilement avec Inu. Ça fait que dalle. Moi aussi j'ai l'impression de faire que dalle. Et le poil. Nathan qui grossit. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je remette mon Kinu en tête d'équipe. Voilà, comme ça. Ah, tu fais moins le fier là. Jaloux. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Il n'y a rien. Un petit combat double. Et derrière, un sticker. Ah ouais, mais du coup, l'effet là de ma fragrance, il s'est barré là. Un petit thème numérique là. J'ai envie de dire s'il résiste, ça peut être sympa. Électrique et numérique. Bon, c'est bon, on va capturer l'Oreo. Ah bah ça va, Oreo, on va pas vous offusquer pas. Juste numérique. Et oh, sympathique. C'est un CP50. Eh ben, j'aurais pas tout perdu sur cette route montagneuse et sinueuse. Allez, petit combat, là! Non? Ouais, quand même. Peut-être j'aurais peut-être dû passer, manière de... un peu plus vite. J'aurais dû passer. Ça va rallonger encore. Alors, qu'est-ce qu'elles ont? J'adore ce Temtem. J'adore la bzeu. Alors, déjà, ça, c'est pas bon. Ah, pas bon pour moi, quoi. Le seul problème, c'est que c'est le... Il a type numérique et nature. Et je me suis renseignée sur son type et je suis... Ça me fout les boules parce que j'aimerais bien l'avoir dans l'équipe, mais c'est... Dans ce cas-là, j'enlève Kinu. Et il faudra que je remanie la team pour avoir un Temtem mental, quoi. Ça m'énerve. Trop stylé. Je peux pas. Ah, ça par contre, ça va m'embêtouiller un peu. Ma foi.
Pourtant tout cramé. Ça m'a pas fait mal, c'est bon. Par contre là, ça a fait très mal. Un gaz humain. Nickel. Allez hop. On est pas mal. C'est bon. On ferait le compte rendu plus tard. Par contre, les dresseurs, la thune. Ils sont vraiment pauvres hein, dans le coin. Alors du coup, je sais pas où on est. Normalement, je vais pas les chercher non plus. Derrière l'entrée. Nickel quoi, l'embuscade parfaite. Alors, comment on gère ça? Pardon. Ça va, c'est passe bien. Après, c'est dommage, j'ai pas une attaque plante super efficace. Il résiste. Niveau 62, 63. Ma foi. Ah, je risque d'avoir mal, je pense. Ah oui, j'ai mal. Attends, non, le cannabis. Pas touché. Ah non! Je t'ai apporté. Continue. Ça m'embête beaucoup. Ouf. Ah ouais, non, mais je prends cher là. Mais bon, je sais déjà ce que je vais pouvoir avant envoyer. Surtout quand le tuant ça déclenchera le talent et que dans ces cas-là, ça me fera pas grand-chose. Voilà. Même si ça résiste. Il avait l'air colère le monsieur. Ah bah non, ils m'ont pas prévenu du tout. C'est juste que... Alors... Un revigorant. Hein. Sûrement qui nu.
que j'étais meilleur, c'est tout. Alors, je suis là. Du coup, pour aller au-dessus... Non, il me faut aller en dessous et... Voilà. Au crâne. Oh, je voulais pas faire de combat, je voudrais avancer un peu. Un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, deux Temtem. J'ai bien aimé ce move. Ah ouais, non mais oui. Ça, ça fait mal là. Uch. Je sais plus du tout les types. Non. Oh, eux c'est électrique. Waouh, ça les a pas tués. Ça a pas. Ça a pas mis KO, je suis dégoûtée. Ça fait super mal le Cricox. Oh non, pas le condamné. Non mais ça c'est pas. C'est pas cool ça. Voilà. Quand tour, j'ai un Temtem qui est KO. Dégueulasse. Un pixel de vie, foutez-vous de moi, quoi. Ah tiens. J'adore Gazuma, mais je pense que c'est le moment de... peut-être changer, de prendre un Temtem électrique un peu plus costaud. Quitte à prendre Oreo. Il y a des attaques électriques. Alors que c'est un Temtem numérique. Alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Ici, il y a quelque chose, un petit passage. Non, il n'y a rien. Alors. Viens de là, tac. Donc, il faut que je réussisse à descendre. Donc, il me faut monter. Pour redescendre. Donc, là, c'était bon. J'étais pas mal, là. Ah, là, c'est pour monter. Je remonte encore. Qu'est-ce que c'est ah oui, l'espèce de hérisson de numérique et électrique, un Temtem que j'aime pas du tout en fait. Galvanide, j'aime pas. J'aime pas la gueule de ce truc. Après, c'est peut-être fort, hein, je dis pas le contraire. Du coup, là, je vais arriver ici. Hop. Yes. Je... très sympathique. Un sticker s'endommagé, il n'y en a pas d'autre.
les stickers. Pour la reine. Un Temtem que j'apprécie. Des bancs. Évidemment, fallait bien que ça me tombe dessus. Et quoi, j'essaie de voir le positif. Et parce qu'il y a eu un petit bruit de craquement. Je savais pas ce que c'était. Oh, la forme évoluée d'Oreo. Jure. Enfin, ça me reste. Hein. Zobian. Niveau 73, donc il va quand même casser. Voilà, juste l'électro punch comme ça, je pense que ça peut être une bonne alternative à gaz humain. C'est pas que j'aime pas gaz humain, j'adore ce Temtem, mais je pense que là il est temps de faire un changement. À la fois, ça fait une faiblesse cristal en plus. Alors, mais d'un côté, j'avais déjà cette faiblesse. Donc bon. Ça se réfléchit en vrai. Hein. Ah bah tu m'as défié. Pas ma faute, hein. Les herbes elles sont hautes, hein. Comment tu veux faire pour trouver tes lunettes? C'est normal que tu les perdes. Ah non. Un petit combat, un petit combat, un petit combat. Mais ils font que ça sur la route. Comme la rizière, hein, on n'y arrivera jamais. Ah, le quoi? Le quoi numérique? Le quack? Le quash? Oui, je rigole quand même. Allez. Vas-y, on va le gérer. On a de quoi le gérer d'ailleurs. Que je résiste à ça, hein. Niveau 72, ça commence à faire. Là, j'ai l'impression d'être largué. Va falloir que j'XP, grave. Débarrasser de ça. On va faire une petite piqûre. Ça peut... Voilà, ça empoisonne, nickel. Tout ce que je voulais faire. Ah mais c'est bon, ça va les avoir. Ah, le canon en haut, je risque peut-être de pas le tanker. Pas grave. Ah non mais ça commence à être une belle hécatombe en fait. Je me débarrasse du Sparzy rapidement. Ah là, le venin qui fait bien son effet. Comme ça, ça fait mal. Non mais c'est bon avec le condamné là. Pas se calmer deux minutes quoi.
Non, là, ça va être une petite fiole. Hein. Allez. Ouais, c'est fait. Ah oui, je sais faire un combat. Comment c'est ça, moi? Rafraîchissement. Il y a pas de, il y a juste du loot, quoi. Il y a pas de. Voilà. Bon, j'ai pas d'intérêt plus que ça, mais il est où le chemin en vrai? Où est-ce que je me suis planté? On peut descendre là? Non, il n'y a pas de chemin. Là, je suis à essayer de trouver d'avancer. Au pire, je reviendrai rechercher les loot. Hein. C'est pas là. Bizarre. Sparzy, ouais. J'avais pas envie de spécialement de capturer les Temtem. Juste pouvoir trouver ce chemin. J'ai peur qu'il y a un truc, quoi. Là, ils mettent cette petite île et ça. Ça descend. Ah, mais c'est par là. Non, c'est pas par là. C'est ici. Et après, c'est où? Y a pas de mur d'escalade, y a rien. Oh. Mais on rompt pendant des heures, non. Là, y a rien. Là, on monte, ok. Ah, là! Oui! Ah, j'avais pas vu, là! Aveugle! Ah, ça, ça sent le Temtem rare dans le coin. Bon, je verrai ça plus tard. Là, ça va être un copain. Mais on y arrive au final. Hein. Allez, Temtem prêt, on y va. C'est juste moi qui s'est pas tourné en rond. De Temtem numérique. Ouais. On va les faire rouiller. Et du coup, ce qui sera bien, je fais le switch tour suivant, tsunami. Et ça, ça va être cool. Voilà, midlife, nickel. Du coup, la question, c'est vu qu'il prend la couleur de l'attaque, plus ou moins, est-ce qu'il change pas de type en étant en plus du numérique hein. Allez, le Platymos. Boum. Allez, ça a été court-circuité, ça. C'est beau. Carouette. Bah du coup c'est pas encore de type feu. Ça m'embête un peu d'avoir loupé la morsure de Staline quoi.
Bah, j'avais oublié qu'il avait ça, lui. Ah, le coup de tonnerre, il est gratuit, là. Bah, je vais vous faire vraiment... tout faire. Voilà. On est pas mal. Alors, j'ai encore un peu de chemin. Il y a quand même pas mal de... Dresseurs. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais couper l'épisode là pour pas qu'il soit trop long. Et je vous donne rendez-vous une fois que j'aurai traversé cette zone. Je pense que c'est pas si mal que ça comme idée. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode.